أكد مدرب المنتخب السنغالي للناشئين سيرين ساليو أن التألق في هذا الكان بأحسن دفاع وأفضل هجوم هو ثمرة لتكوين وعمل دؤوب ومستمر. Je pense que c'est le fruit d'un long travail. C'est le lieu de remercier tous ces éducateurs qui sont au Sénégal, qui sont dans les régions les plus lointaines, qui sont en train de former ces jeunes pour les donner. Féliciter la fédération qui a mis en place des centres d'entraînement où il y a des jeunes qui ont la possibilité tout le temps de faire des regroupements de travail. Féliciter tous les grands centres, Génération Foot, Djamba, Sacré-Cœur, pour ne pas citer seulement que ces centres. Voilà, je pense que c'est le fruit d'un long travail. Le Sénégal maintenant a une bonne ressource sur le plan humain. Et là, je pense que ça montre encore une fois que c'est des garçons qui doivent grandir encore. Je pense que c'est des garçons qui viennent pour la majeure partie de faire une première compétition. Maintenant, on va les laisser grandir encore, on va travailler encore et se réussir le garde de la Coupe du Monde. C'est l'occasion de les continuer à les entraîner, à les mettre dans cette bonne direction de performance. Peut-être, ça peut être flatteur, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à améliorer. Parce que chaque fois en début du match, on a quelques soucis. Voilà. Mais là, je pense que ce qui est important, comme on dit, c'est qu'on puisse leur montrer tout ce qu'ils doivent faire encore une fois. Mais je pense, c'est vrai que c'est grandiose, 12 buts marqués, 0 encaissés, ça veut dire que quelque part, on travaille sur le plan offensif comme sur le plan défensif. Et je pense que c'est ça qu'on les demande, d'être très agressif sur le porteur, d'avoir tout le temps un bloc très haut, de jouer le pressing, le contre-pressing. Je pense que c'est ça qui est en train de gêner les adversaires. Et c'est notre mode de figure, c'est comme ça qu'on travaille depuis longtemps et on continue à faire.